Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour nouveau vlog quoi. Je suis actuellement à Palenque, je suis arrivé ce matin vers 7h30 à peu près, je suis parti dans la nuit de Mérida. Là je me retrouve actuellement dans la jungle un peu, j'ai visité des ruines et j'ai pris un ticket pour les ruines et aussi t'as une sorte de parc national. Donc je vais visiter tout ça, on peut entendre des singes hurleurs à ce qui paraît. Donc ouais, ça va être bien sympa, toi même si je suis un peu fatigué. Mais vas-y, je vais profiter, c'est... Il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Let's go. Aussi, ce qui est du coup un peu bizarre, c'est que quand j'étais à Mérida, partout dans la ville, c'est plat partout. Et depuis que je suis arrivé à Palenque, bah t'as pas mal de montées ou de descentes. Donc ça me fait assez bizarre un peu. Je sens que ce soir, je vais dormir comme un bébé. À 19h, je vais être roulé, ça se trouve, comme je suis KO en vrai. Mais je vais essayer de profiter un max de journée, comme franchement... Franchement c'est super sympa pour essayer d'arriver aux ruines. Là faut que je monte si j'ai bien compris. Donc voilà. Du coup, si j'ai bien compris en fait, ils ont découvert 2%. Parce qu'il paraît le site, ce site là à Palenque, il est super grand. Et ils ont retrouvé en fait que 2% sur tout l'ensemble qu'il pourrait avoir quoi. En fait après t'as plein de parties des ruines qui sont enfouies dans la jungle. Et déjà que les 2% ça a l'air d'être assez grand. Du coup et c'est à ce qui paraît une des plus populaires au Mexique avec comme je crois c'est aussi une des plus anciennes. Donc voilà, je suis pressé d'arriver en haut. Et puis voilà, après normalement si je pourrais voir des cascades. Donc soit aujourd'hui ou soit demain je vais voir. Mais je crois qu'il y en a une pas très loin donc on verra. Je viens d'arriver en haut, en tout cas une partie. C'est super joli. Du coup hier j'ai visité les ruines comme vous avez pu voir juste avant. Franchement je mets un bon 8 sur 10, franchement j'ai kiffé. Surtout à la fin la cascade c'était super joli je trouve. Donc programme du jour aujourd'hui, de base je voulais aller faire une cascade qui s'appelle Agua Azul. Mais comme je sais qu'il a plu il y a un jour et demi, j'ai vu il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'il ne faut pas y aller après 2 jours comme sinon l'eau il va pas être bleue et va être marron. Donc je pense j'essaierai d'y aller demain. Du coup, programme du jour, direction un éco-parc. Sorte de zoo à moitié, mais c'est que des animaux qui ont été recueillis par... avant par exemple qui ont été maltraités, trafiquants et tout. Donc il y a pas mal de choses à voir, des panthères, des pélicans, des toucans, des trucs comme ça. Donc j'allais voir ça. C'est pas très loin de là d'où je suis. Donc j'ai juste à marcher, je crois, un quart d'heure. Et puis après prendre un collectivo, 20 pesos, du coup 1 euro. Donc voilà, donc après je vais faire ça aujourd'hui, je m'arrêterai sûrement à manger un petit bout et puis je pense après je resterai tranquille comme je suis fatigué, j'ai bien dormi, comme du coup j'avais dormi dans le bus la nuit dernière, j'avais ok bien dormi, mais où j'étais dans l'hostel avant j'avais eu deux de mes tours étaient durant la nuit, du coup j'avais dormi peut-être 8 heures en 2 jours, donc c'est pas beaucoup, et du coup là j'ai dormi bien 10 heures, donc je vais faire aussi un petit room tour de mon logement, let's go!
Là, c'est ma chambre en fait. Donc voilà. Avec une vue sur. Bon, c'est un peu plus la jungle, hein. Donc voilà. Ça change un peu de Mérida où j'étais. Comme à Mérida, c'était plat partout. Alors que là, c'est des montées. Il y a plus de montées, c'est la montagne, quoi. Voilà, là il y a tous mes vêtements à peu près. Mon sac à dos, j'ai laissé ma valise à Mérida, que je récupère à la fin de mon voyage. Comme c'était pas pratique, du coup je me suis acheté un super sac à dos. Donc c'est top, je peux mettre pas mal de choses. Là c'est la salle de bain. Donc petite salle de bain tranquillou. Voilà, il n'y a pas d'eau chaude. Bah en vrai je préfère chauffer de l'eau, mais moi je prends des douches froides donc voilà. Du coup j'ai une chambre, mais en fait c'est plusieurs. Je sais qu'il y a trois chambres et après la cuisine c'est espace partagé. Mais là il n'y a personne. Hier il y avait un couple d'Allemands qui était là. Donc voilà. Petit jeu d'échecs, les versions Maya. Très sympatoche. Du coup cuisine, frigo. Il y a à peu près tout ce qu'il faut donc moi ça me va très bien. Hier je suis allé me faire des courses aussi après mes visites des ruines, je me suis fait du poulet assaisonné paprika avec des fajitas, voilà, avec des tortillas, je veux dire. Donc voilà, la vue. Il fait plutôt beau aujourd'hui. Il y a pas mal de bruit, comme il y a pas mal d'animaux, je crois. Il y a des chiens, des dindons, peut-être. Et à ce qui paraît aussi, on peut entendre des singes hurleurs. Donc voilà, et on peut même les voir aussi. Mais comme vous voyez là-bas, c'est vraiment plus montagneux. Et après-demain où je vais, ça sera encore plus montagneux. Direction Saint-Cristobal. Donc voilà à peu près pour mon petit logement. Très sympa, je suis à 7 minutes du centre à pied donc c'est pas très loin. Donc là je vais me brosser les dents, m'habiller et puis direction l'écoparc pour vous filmer tout ça. Bon, je viens d'arriver à Xoules, du coup l'écoparc, entre guillemets zoo je dirais. Mais bon, je vais voir à ce qu'il paraît, c'est. Les commentaires ont l'air super sympas. Donc voilà. Du coup, en fait, il n'y a même pas de cage, en fait. Ils sont vraiment un peu dans l'habitat naturel, donc c'est cool. Ça s'appelle un guacamaya. Sorte de toucan, je pense. Donc là, il y a un. Je sais pas ce que c'est comme type de bête, mais elles font un peu peur, mais elles sont costauds aussi, hein. Punaise. Du coup, je viens de finir la visite de l'écoparc. Franchement, c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé. Surtout les chemins, le sens de la visite et autour, c'est que la jungle, donc c'est vraiment
C'est bien immersif, j'ai bien aimé. Là, je vais rentrer, je vais attendre, j'essaie de prendre un collectivo pour rentrer dans le centre et puis je vais aller manger un. Je vais aller manger quelque chose dans le centre, je vais le découvrir. J'ai pas découvert le centre encore de Paniqué. Donc ça va être le programme de l'après-midi et puis après j'entrerai tranquillement dans mon Airbnb me reposer en vrai comme je suis assez fatigué. Puis demain je vais voir ce que je fais. Je vous tiens au courant. Juste après je suis allé dans le centre de Palenque mais il n'y avait pas grand chose à voir. J'ai juste pris du coup quelques tacos qui étaient très bons. Je suis rentré tranquillement à mon Airbnb. Et puis après de base je voulais manger un bol de céréales tranquillement devant un film. Mais j'ai rencontré un couple italien qui était en train de cuisiner. Donc ils m'ont proposé si je voulais me joindre à eux, donc j'ai dit oui, et puis au final on a passé une bonne soirée, on a bien partagé, donc c'était sympa. Bon, on se retrouve pour ma dernière journée à Palenque, il est actuellement à peu près 13h30 je crois, et donc je me dirige dans les cascades Roberto Barrios. Donc j'ai pris un sort de minivan, 50 pesos, et après c'est 30 pesos l'entrée, donc voilà, ça a l'air très joli. L'eau, je voulais pas aller hier comme je l'ai dit, comme j'avais peur que ce soit un peu marron. Mais là, l'eau a l'air plutôt jolie. Je vais vous filmer de ça de plus près. Donc, let's go. Donc, c'est actuellement le soir, du coup j'ai fini à peu près les cascades, il était, on ne voit pas trop là comme il fait assez noir. Pourtant il est que 18h30 mais il fait très noir, voilà. On voit pas les étoiles, non. Donc je disais que après les cascades je suis resté à peu près, c'était sympa, je me suis baigné peut-être pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, comme je devais rentrer au Airbnb. Avant 16h, comme il y avait. Fallait qu'il nettoie ma chambre, mais du coup, je peux rester quand même dans la salle commune pour, en attendant mon bus qui est à 9h25 du soir. Donc, je vais patienter. Je vais regarder un match de basket Lakers contre Miami Heat en attendant, et puis après, j'irai prendre mon bus tranquillou direction Saint Cristobal. Et puis, voilà, en fait, je pense que ça va être la fin du vlog à Palenque. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous avez kiffé mes aventures et puis on se retrouve à bientôt direction Saint-Christophe. Ciao ciao, c'était le vlog de Simon.